Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo sur un thème intéressant, hein. Cité plutôt, elle n'a pas développé justement, par Marie-France Irigoyen dans une émission de radio assez récente qui m'a été aimablement envoyée par Zorro. Hein. Je remercie Nicole de cet envoi. Alors, je n'ai pas le temps de tout regarder, mais dès que j'en regarde une, c'est assez intéressant. Vous avez bien le chic, je dirais, pour bien repérer les vidéos intéressantes. Enfin, pas toutes, hein. Il y a des thèmes qui m'intéressent moins, hein, mais bon, on ne peut pas s'intéresser à tout. Et puis, en matière de goût physique masculin, nous n'avons pas les mêmes goûts du tout. Hein. Ce que vous trouvez sublime, moi, c'est vraiment un repoussoir. Hein. Pour moi, c'est... Bon, après, c'est ce qui joue beaucoup dans l'attirance physique, c'est la personnalité. Et quand on perçoit que la personnalité de quelqu'un n'est pas favorable, ne nous est pas favorable, plutôt, peut-être, on a tendance à le trouver moche. Hein. Au contraire, si on est un peu masochiste, à beaucoup l'apprécier. Voilà, je voulais justement parler de cette remarque de Marie-France Irigoyen dans cette émission de radio qui nous explique, enfin qui nous dit simplement, sans aller plus loin malheureusement, que lorsque on est addict, enfin qu'on est dépendant, j'aime pas les termes anglais, alors je vais dire dépendant d'une personne et lorsque cette personne nous est finalement néfaste et qu'elle nous brime, nous pénalise, est désagréable avec nous, ce type d'addiction est plus fort qu'une addiction positive selon elle. Hein. Alors j'aurais aimé qu'elle explique pourquoi. Moi je dirais que, on se dit, quand on est face à justement à quelque chose de négatif comme ça, on a envie de s'expliquer pour restaurer l'image que la personne qui développe un point de vue négatif de nous a. On voudrait changer cette image, lui expliquer qu'on n'est pas aussi con qu'on en a l'air, qu'on n'est pas plus moche que les autres, qu'on n'est pas plus désagréable, etc. C'est peut-être ça, mais je crois que j'effleure le sujet, là je voudrais vraiment le creuser par la suite. Là j'ai commencé un petit peu à chercher, j'ai du mal à trouver des informations, mais c'est très intéressant cette remarque en tout cas. Ben, évidemment Marie-France Irigoyen, je pense qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à nous communiquer, à nous dire. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir à cela. Pourquoi quand on est dépendant de quelqu'un qui est désagréable avec nous, même s'il a été agréable avant, mais c'est pas ça le problème, c'est plus fort qu'une dépendance avec une personne qui a été agréable. Je sens qu'on peut trouver une réponse à ce sujet, mais je ne l'ai pas encore et je vous le soumets. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.